Sans rapport, sans pareil. Alors à qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te comparer? Le sens de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Oh oui, Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors à qui pourrais-je te comparer? Manako Kanisayo Nananye. Personne rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Oui, tu es sans pareil. C'est toi notre rendez-vous ce soir. C'est toi le roi qui règne en ces lieux. Prends le contrôle de ces instants où nous voulons t'écouter. Prends le contrôle de ces lieux. Je viens étouffer toute présence qui ne confesse pas le nom de Jésus. Toute présence nuisible. Celui que nous adorons, il s'appelle le feu dévorant. Il est celui qui exerce son jugement par le feu. Tout petit feu étranger, il n'a pas de place en ces lieux. Au nom de Jésus, je fais taire et je réduis à l'impuissance toute présence tentant de défier la manne cachée, le narcisse de Saron, les lys de la vallée, l'étoile brillante du matin, l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel et le Père et le Prince de paix. Qui peut régimer contre ces aiguillons? C'est lui le oui et l'amen, le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui que nous élevons. Se manifeste en ce moment, pas comme un agneau, pas comme fils de l'homme, mais c'est celui que Jean a vu, avec la tête et les cheveux blancs, comme de la laine blanche. Alléluia. Avec le visage qui brille, comme le soleil quand il brille dans toute sa splendeur. Yes. Celui que nous élevons, c'est lui qui a les yeux comme des flammes de feu. Il est redoutable, parce que de sa bouche sort une épée à deux tranches. Il a la voix comme le bruit des grandes eaux. Alléluia. Il a les pieds comme des lérins, comme si elles ont été consumées dans la fournaise. C'est lui qui marche et qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Oui, tu es la parole qui était au commencement, la parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle,
et pour elles. Maintenant, enseigne-nous au travers cet homme que tu as suscité dans cette génération pour communiquer ta sagesse, communiquer ton intelligence. Saint-Esprit, remplis-le davantage de l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, afin qu'il puisse communiquer la vie, car tes paroles sont esprit et vie. Et pendant ce moment, aucune autre bouche ne peut s'ouvrir pour lancer quelque sort que ce soit. Toute bouche reste fermée. Toute pensée maintenue captive à la parole devient. Est-ce qu'il y a un saint qui peut compléter son adoration avec une acclamation? Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore très bien acclamer le roi de rois? Bien-aimé, Mokolwango ekokakate ekoki. Amen. Les jours tant attendus, surtout par moi-même. Amen. Non, tozami balé. Ngana Mama Chris, on attendait ces jours comme pas possible. Alors, le salut est. Le salut est. Boyo qui peut être individuel. Nagoyo kana matoi na yote. Ogoyo kapena matoi na ngate. Oyo kokanga, malamu. Oyo kokanga te, malamu na yo. Soko comprendre malam, soko comprendre te malamu na yo. Mais là, moi je suis venu écouter. Maman Crispa Songi Songi, Aoloba, le Mike Murdoch de notre du Congo. Alors, je ne voudrais pas que je fasse trop de publicité, sinon Robanda Royo Kozela Oyoka Makamuso qui a Ndengenin, il peut venir simplement, mais je sais que la profondeur est là. Amen. Parce que d'abord, le thème lui-même, est-ce que Yosio Yoga Kango, pas de fête sans pieux. Oyo Kango. Amen. Donc, Atasoki, Oyo Kamagamunyon, Somenan, Oyo Kam, pas de fête sans pieuté. Alors, c'est le moment. C'est pourquoi tout ce qu'il peut y avoir comme caprice, instrument, tonini, est allé bi sauter. O pa ye koloka, o akata courant, o kangamana courant pamba. Parce que biso to dépendant na courant. Tozana Bluetooth na biso amuneno tozana ngokete matinale. Yo okata courant, okata na Bluetooth. Amen. Ça veut dire lelo, o linga te. Togoyoka liloba nzambe. Parce que yangonde toyeli awa. Toyeli musique te. Toyeli makamususu te. Et c'est lui qui va nous parler. C'est un conférencier. C'est un enseignant de la parole. C'est un sage. Il est auteur. Il y a ba livre ébélé. Ba fascicule ébélé. Il est. Connu dans les milieux pastoraux parce que
Il y a les prédicateurs, mais il y a aussi les prédicateurs des prédicateurs. Si nous, nous l'apprécions, parce que vous savez, il n'y a rien de merveilleux pour nous prédicateurs que au fan de Ozo Kamakamboasika. Alors, ce genre de personnes sont une bénédiction pour l'Église Corps du Christ. Il s'appelle le révérend docteur Parfait Bopé. Est-ce que vous en avez un yambaye? Voilà, là qui ça est, pendant que j'invite l'homme de Dieu à venir nous parler de la part du Seigneur. Seigneur, nous te disons encore merci. Nous voulons t'élever parce que c'est toi qui es notre Père et notre Dieu. Accepte de nous parler encore ce soir. Que ta parole crée en nous le vouloir et le faire dans ta volonté. Réunis les paroles dans notre bouche, mais écris seulement ta volonté, car nous te prions, Père. En te disposant ces instants, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 J'aimerais que nous puissions lire un verset. Na kolingato le la poto tanga moka pomoko. Par la grâce de Dieu, ce verset sera toujours répété. Na ngolu na nzambe moka poto ko banda ko bandela ka yango. Car c'est ce verset qui introduit ce sujet. Pomoka po onde yango jo koti sa mama likambo. Et c'est là où on a puisé cette formulation de notre thème. Et c'est si ko to toki ko yange la mama likambo na biso. Ésaïe 33, verset 20. Amen. Ésaïe 33, verset 20. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Amen. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem. Séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour cette belle soirée que Dieu nous accorde. De nous retrouver et de vivre la parole de Dieu. J'étais en train de dire de vivre la parole de Dieu. Je ne dis pas écouter, mais de vivre la parole de Dieu. Je dis d'écouter, mais de vivre la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci au révérend Willy. Matondo na papa na biso, papa maman, Willy. Maman Chris, merci. Na maman na biso Chris, merci. Et par vous, je bénis l'église. Na nzela na bino na pambo le tonga. Et tous les enfants de la porte. Pe bananyo su ekuke.
tout en leur rappelant que la porte n'a d'importance que si elle te permet d'entrer. Tu n'as pas besoin de voir la porte. Et tu as besoin de passer par la porte. Que tous les enfants qui sont entrés par la porte disent Amen. Que tous les enfants qui ont franchi la porte disent Amen. Amen. J'aimerais rappeler à quelqu'un, la porte ce n'est pas là, mais c'est Jésus. Parce que la porte a un problème. Elle nous fait entrer, mais elle-même, elle ne reste ni à l'intérieur ni dehors. La porte n'est jamais dehors. Elle n'est jamais à l'intérieur. Elle reste là. Afin que toi, tu sois entré à l'intérieur. Si Jésus est resté à l'intervalle entre la pauvreté et la richesse, c'est pour que toi tu traverses. S'il est resté à la frontière entre la médiocrité et l'excellence, c'est pour que toi tu puisses entrer. Et j'aime beaucoup l'autre frontière, c'est qu'il est entre les morts et les vivants, afin de me prendre moi, celui qui est fait de poussière, de me faire entrer dans la vie. C'est pourquoi j'ai la vie éternelle. On acclame Jésus qui est notre porte. On acclame Jésus qui est notre bénédiction. Il est l'élément qui crée le transfert. J'ai dit, il est l'élément qui crée le transfert. C'est comme le feu qui aide la nourriture à être cuite. Elle reste dehors de la marmite, mais elle influence ce qu'il y a à l'intérieur. Même s'il est au ciel, il va t'influencer sur terre. Même s'il est assis sur le trône, il va impacter ta vie. Et c'est cette vie-là, quand on la comprend très bien, on dit c'est une fête. La vie chrétienne, si tu la comprends très bien, c'est une fête. Quelqu'un me dira, mais comment ça peut être une fête? Moi, depuis que je suis venu, c'est toujours des prières à Tolonacé. J'aimerais rappeler que la fête ne commence pas par la joie, mais la fête commence par les dépenses de l'organisateur. La fête, ce n'est pas la joie d'abord, mais ce sont les dépenses de l'organisateur. Laissez-moi dormir. Lui, il va se dépenser. Il achètera de la nourriture, de la boisson. Il louera même des salles. Pendant tout ce temps, moi, je suis encore dans mes problèmes. Mais j'attends une seule chose, l'invitation. Quand je recevrai l'invitation, ce serait un moyen de me dire, laisse le problème, viens te réjouir avec moi. Laisse les difficultés, viens te réjouir avec moi. Laisse les difficultés, viens entrer dans ma joie. Et c'est ça la vie chrétienne. La fête est égale à la vie chrétienne. Quelqu'un me dira, oui, mais nous sommes la Bible. Mais c'est la Bible qui le dit. Dieu dit à Moïse, voici ce que tu diras à Pharaon. Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il aille me célébrer une fête à mon honneur au désert. Sortir de l'Égypte, mais c'est ça, se convertir. C'est qu'on se convertit pour aller faire une fête à l'honneur de Jésus. Cette fête de Jésus, c'est ça la vie chrétienne.
Lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, Dieu les invitait à une fête. Mais c'est eux qui croyaient qu'ils avaient commencé une période de corvée. Pourquoi? Ils n'étaient pas informés des modalités de la fête. Vous savez, il y a certaines réceptions où vous y allez. Vous devez faire d'abord l'effort de vous adapter aux exigences de la réception. Tu peux être dans une réception. C'est qu'on présente à déguster, ça ne te convient pas. Non, pas parce que c'est mauvais. Non, c'est parce que toi tu es limité à Coca Fanta. Alléluia. Donc le problème, ce n'est pas la fête. Ce sont tes anciennes habitudes de la vie ordinaire qui t'empêchent de vivre l'instant extraordinaire de la fête. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit venez manger, venez entrer dans ma joie. Et Dieu veut nous dire pendant cette semaine, il n'y aura pas de fête sans pieux. Le mot c'est ça. Le mot pieux veut dire aussi une personne sainte qui exerce la piété. Mais ça c'est l'autre boulevard que je n'ai pas emprunté. Moi j'ai pris le mot pieux comme piqué. Donc il n'y a pas de fête s'il n'y a pas de pieux, s'il n'y a pas de piquets. Or quand je parle des pieux, je ne suis pas dans les dictionnaires, je suis dans la Jésus la porte. Parce que qui dit pieux parle de stabilité. C'est ce que je suis venu dire. Il n'y aura pas de fête sans stabilité. Cette semaine, nous voulons comprendre que la stabilité est le support de la joie en Christ. C'est que c'est ton instabilité qui empêche Dieu de te réjouir. C'est ton instabilité qui éloigne la joie du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, regarde Sion, c'est la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tranquille, stabilité, calme. C'est la même chose. Jérusalem, maison de stabilité. Car l'attente appelée Sion, elle ne sera plus transportée. Elle sera stable. Qu'est-ce qui fera sa stabilité? Ces pieux qu'on enlèvera. Ta stabilité dépend des piquets qu'il y a dans ta vie. Si on enlève cela, tu deviens instable. Et quand je pensais à ce verset, la première chose que j'ai compris, c'est que la cité qui me donne la joie m'amène à poser la question. Entre cette cité, entre cette tente, entre cette maison et la joie de la fête, qu'est-ce qui a précédé? La Bible est claire. C'est la cité de nos fêtes. Il faut d'abord qu'il y ait la cité et les fêtes y seront célébrées. C'est pourquoi on dit salle de fête.
Il n'y a pas de fête de salle. Ah, il y a un teke à esikate. Mais il y a les salles de fête. Donc si je veux la fête, je dois commencer à chercher la salle. Je dois chercher à chercher la cité. Car on ne peut pas fêter partout. Frère, on ne peut pas fêter partout. Il n'y a pas de fête partout, frère. Même Jésus, dans sa toute puissance, un jour on lui a dit: Rabbi, où veux-tu que nous puissions te préparer la fête? Dans Matthieu 26. Donc si Jésus, pour fêter, il lui faut une place. À toi aussi, il doit y avoir une adresse avant qu'il y ait là. Regarde Sion. C'est là qu'il y aura des célébrations. Ma vie dépend de la maison où j'habite, car c'est cette maison qui recevra pour moi les visitations divines. Dieu a aimé Israël, mais quand Israël était locataire en Égypte, Dieu n'était jamais descendu. Il aimait Israël, mais entre lui et Israël il y avait Orange. Il est resté à Sinaï. Il a dit à Moïse: va les appeler. S'ils sortent, ils me verront ici. Mais moi, Elohim, entrez là-bas. Pas moi. Les dieux de partout ne visitent pas partout. On ne peut pas fêter partout. La fête exige une adresse. C'est dans cette adresse là que tu vas créer, tu vas former ta stabilité. Et ça t'amènera maintenant à célébrer. C'est que la fête, je dirais, c'est la volonté de Dieu pour tout homme. Dieu a pensé que l'homme puisse fêter. La plus grande preuve, c'est que comme à la fête, on ne vient pas avec la nourriture. Dieu n'a jamais pensé que l'homme vive par son propre souffle. Je peux avancer. Et que s'il amène sa propre nourriture, ça va lui créer des problèmes. Parce que Jésus a dit: la nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Donc, si tu veux manger ta propre nourriture, c'est que tu veux faire ta propre volonté. Tu deviendras Saoul. Pense à faire plaisir à Dieu. Insatisfait, chaque fois meurtrier, jusqu'à ce qu'il va abandonner sa volonté pour adopter la volonté de Dieu. C'est alors qu'il trouvera la paix. Celui qui vient dans une fête, il doit venir pour utiliser ce qui a été prévu pour lui. Il n'a pas à amener. C'est pourquoi vous verrez, dans certaines circonstances, Dieu nous a prouvé que son choix est meilleur. Vous remarquerez, c'est difficile que ta famille puisse empêcher ta destinée que les amis que tu choisis. Quelqu'un me dit: non, je ne comprends pas.
Mais l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Bien aimé, les gens de ta propre maison, ce ne sont pas tes ennemis, ce sont des challengers qui t'aident à faire l'entraînement de la destinée. Je cherche un boxeur. Il te dira, il y a un combat qui m'attend. Mais pour faire l'entraînement, j'ai besoin d'un autre boxeur qui n'est pas mon adversaire. Avec qui je vais m'entraîner. C'est ça ton grand frère Ruben. C'est ça ton grand frère Judas. Ils sont venus non pas pour te tuer, mais pour te booster pour aller en Égypte. Car c'est là où ton étoile va briller. Le choix de Dieu est toujours parfait. Celui que Dieu choisit pour toi, il sera toujours un tremplin de ta vie. Si tu le vois au-dessus de toi, ne dis pas qu'il est un obstacle, mais dis-toi qu'il est un escalier. Tu m'as entendu? S'il est au-dessus de toi, ne dis pas qu'il est un obstacle, mais dis-toi c'est un escalier. Parce que ce que les gens ne savent pas, l'escalier c'est aussi un kinésithérapeute. Sans lui, tu ne seras pas motivé à soulever les pieds. Sans lui, tu ne viseras pas la hauteur. Dieu enverra les escaliers, mais en forme d'obstacle, pour t'amener à aller très loin. Ma vie en Christ est une fête. Mais cette fête, je ne peux l'expérimenter qu'en rapport avec ma stabilité. Et ma stabilité dépend des pieux, qui soutiennent ma maison. Amen. Nous sommes tous chrétiens. Mais les pieux se révèlent quand il y a le vent. C'est quand il y a des tempêtes que tu verras qui a des pieux solides et qui n'en a pas. La Bible dit, ta tente ne sera plus transportée. Les pieux ne seront jamais enlevés. C'est ce qui permettra que ta maison devienne une cité de fête. Et ce soir, je pose la question. Seigneur, quels sont ces pieux? Premier pieu, ce soir, nous voulons l'étudier. En d'autres termes, l'un des éléments qui crée et affermisse la stabilité, qui permet à ce que Dieu vienne se révéler à une personne. Je le vis toujours dans l'image de la fête. C'est que quand on vient à une fête, la première chose importante qui se remarque même avant que les gens entrent, c'est l'accoutrement. C'est l'accoutrement. Alléluia. Et j'ai vu ça parce que je me suis posé la question. Quel est le petit sous-thème que je peux dégager ce soir? Pas de fête sans pieux. Petit sous-thème de ce soir. Invité. Mais pas servi. Beaucoup sont invités. Mais ils ne sont pas servis. Matthieu. Matthieu. Alléluia. Ce soir, nous voulons montrer ce premier pieu qui facilite la fête. Et dont le déficit
empêche les gens de se réjouir. Oyo ba kokoso ezopeki sabato ba sepela. Matthieu chapitre 22. Amen. Juste le 8e jusqu'au 13e verset. Amen. Matthieu 22, 8 à 13. Amen. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, à la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Avant de lire, j'ouvre une parenthèse. Version de ce soir. Ce qu'il y a de fraudeurs dans la fête. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Cette parabole, nous la connaissons. Mais au travers d'elle, nous voulons comprendre ces puits importants dans notre vie. La Bible dit un homme avait fait une grande fête. Première catégorie, ceux qui avaient l'invitation. Mais cette catégorie n'est pas venue. Parce qu'ils ont trouvé leurs excuses, ils avaient autre chose plus importante. Alors cet homme-là s'est dit, non, il ne faut pas que ma fête puisse chômer. C'est comme s'il disait, il ne faut pas qu'une nourriture préparée ne soit pas mangée. C'est comme si Jésus est en train de me dire, quand j'aurai fait un trou, il ne faut pas qu'il soit vide. Donc même s'il faut que j'aille ramasser quelqu'un, je vais ramasser pour occuper. Et cela est prouvé même scientifiquement. Parce qu'on dit que la nature a horreur du vide. La nature n'aime pas le vide. Si nous faisons 6 mois, on n'entre plus ici. Nous serons remplacés par l'étoile d'araignée. Parce que la nature n'aime pas le vide. Quand je parle ainsi, il y a une sœur qui s'élève, qui me dit, j'appuie cela. On m'a critiqué. On m'a dit que je suis moins sérieuse. On est en train de dire, j'étais jalouse de la sœur Vashti. Moi, Esther, je n'ai jamais été jalouse. Mais c'est que la nature n'aime pas le vide. Vashti a abandonné le mariage. Et moi, j'ai saisi l'opportunité. Je déclare ce soir que le poste qui est vacant annonce ta promotion. Je déclare ce soir que les places vides de l'avion soient remplies par toi. Je déclare ce soir que les vides qu'il y a dans les hommes élevés soient comblés par ta grâce. Si dans les cieux le livre a des pages vides, j'écris ton nom dans
dans le livre de l'élévation. J'écris ton nom dans le livre de la gloire. J'écris ton nom dans le livre de la prospérité. Parce que la nature ne veut pas le vide. Jésus a dit, ma fête ne peut pas rester comme ça. Allez même ramasser les gens. Celui qui te parle, c'est un homme ramassé. Parce que sur le plan des études, sur le plan de la moralité, je ne mérite pas de prêcher l'évangile. Mais le Dieu de la Bible a jeté le regard au Congo, à Kinshasa, dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Kabinda. Il t'a vu, il t'a ramassé. Il t'a vu, il t'a ramassé. Pourquoi? Pour remplir le vide. Je rappelle à quelqu'un, Dieu a un quorum. Tant qu'il n'est pas atteint, tu ne mourras pas. Dieu a un quorum. Tant qu'il n'est pas atteint, on ne te chassera pas. J'ai dit cela au nom de Jésus. Je prêche ce message. Il y a un papa qui pleure. J'ai dit, tu pleures pourquoi? Il dit, mais comment? Parce que je vois les 12 trônes sont déjà remplis. J'ai dit, Matthias, ne pleure pas. Parce que Judas, il ira se pendre. Tu vas le remplacer. Matthias, ne pleure pas. Dieu créera les circonstances afin que tu achètes cette parcelle. J'ai dit à quelqu'un, par la maladie, par les circonstances, Dieu créera l'espace. Par les pensions anticipées, Dieu créera l'espace. Par les empêchements, Dieu créera l'espace. Et pour cela, tu rempliras le vide. Tu rempliras le vide. Amen. La Bible dit, Bibile lobi, ma fête ne peut pas rester comme ça. Ego tika la bongote. Vous, mes serviteurs, bino basali nanga. Sortez dehors. Bobi mana bino libanda. Allez bokene dans les carrefours. Ne siko ya bokutani ya bato nyonso. Dans les places publiques. Ne siko ya bato ebele. J'ai dit, Seigneur, na tunia. Pourquoi les carrefours? Il dit, toi tu ne comprends pas l'évangile. Quand je vous ai dit, errez les pauvres en esprit. Est-ce que tu verras un riche au carrefour? Oh, daddy, come on. Les riches. Bato bozui. Poilou, 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 gare centrale, Rotana. Il peine. 20 jours. Il tonne. Dieu dit, si je continue comme ça, mes enfants diront qu'ils sont défavorisés. Je me tiendrai à Kabamba. Je me tiendrai à la place Victoire. Là où tout le monde peut passer. Afin que ceux qui le voudront soient ramassés pour la gloire. Afin que ceux qui y seront présents soient ramassés pour la gloire. Parce que dans les carrefours, on ne demande pas les diplômes. Au carrefour, on ne demande pas le nom de famille. Il suffit d'être présent. Dieu est un Dieu de présent. J'ai dit, Dieu est un Dieu de présent. J'ai dit, Dieu est un Dieu de présent. Un jour, on a fait une petite réunion de famille. J'ai dit à Pierre, toi, il faut respecter Zoro. Pierre dit, comment moi je peux respecter Zoro? J'ai fait 3 ans avec les seigneurs. On a été parmi les premiers. J'ai dit, Malacroix, tu n'étais pas présent. C'est Zoro qui était là. Il n'a pas fait 3 ans avec. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas de gens. Allez dans les places publiques. Ramassez-les. Lorsqu'ils sont allés, ils ont pris tout le monde.
C'est bien. C'est que tout le monde était invité. Mais lorsqu'ils sont entrés, il y a eu un qui n'était pas servi. Il est dans la fête, mais pas servi. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Il dit, oui, il est venu, mais sa maison n'est pas stable. Car le pieux d'une fête, c'est l'accoutrement. Il ne suffit pas d'entrer. L'important est de rester. Il ne suffit pas d'arriver. Le plus important est de demeurer. J'aimerais rappeler à quelqu'un, à part Jésus, plusieurs ont fait des miracles, mais on ne les invoque pas. Pourquoi? Après leur mort, les miracles ont cessé. Comment ça? Alléluia. Après leur mort, les miracles ont cessé. Mais avec Jésus, mort à Golgotha, après Golgotha, il a continué à agir. Il est entré dans la dimension. Et il est resté dans la dimension. Il a continué à agir. Même étant qu'esprit, David est ressuscité. Même étant qu'esprit, Éticus est ressuscité. Comme il continue à agir, c'est lui qu'on va continuer à invoquer. Parce que Moïse n'est plus là. Ces miracles ne sont plus là. Mais Jésus, mort dans la chair, il continue à opérer. Si tu entres, c'est bien. Mais fais tout pour demeurer. Ils étaient tous invités. Et l'auteur de la fête commençait à inspecter. Il a vu un homme, version Jésus la porte. Il a vu un homme sans pieux pour la fête. Il est là, mais par rapport à la fête, il n'était pas habillé. Bien aimé, l'habillement est une fondation. Balingami, elamba, ezamo beaucoup, toi bandeli. L'habillement est très important. Elamba, amotuya. Mon ami aime dire toujours, l'habit ne fait pas le moine. Elamba, ça la moine était. Ce n'est pas la Bible, mais c'est lui qui l'a dit. Amoni, alléluia. J'aimerais lui répondre ce soir. Comment docteur? L'habit ne fait pas le moine. Mais on ne fera jamais confiance à un moine sans habit. Un moine habillé en jean fashion. Jamais. L'habit ne fait pas le moine. Je suis d'accord. Mais la femme de perte de sang ne sera pas d'accord avec toi. Parce que pour la femme de perte de sang, si elle est guérie, c'est à cause de l'habillement. L'habit ne fait pas les moines. Toi tu dis l'habit ne fait pas les moines. Mais si l'habit ne fait pas les moines, d'où vient la jalousie des frères de Joseph? Parce que si les frères ont jalousé, c'est à cause de l'habit que le père a fait pour lui. Tu veux me dire quoi? L'habit ne fait pas les moines. Comment alors Moïse est appelé égyptien alors qu'il n'est pas égyptien? C'est parce qu'il avait l'habillement des Égyptiens. J'aimerais rappeler à quelqu'un, dans la vie chrétienne, il y a aussi l'habillement. C'est un fondamental, c'est un pieu important. Sans cela, tu auras des difficultés. Alors tu me diras, oui, c'est pourquoi veste, robe, non. Vêtement égal elamba egoloba identité kiboboto kiboyo identité kiboyo. Je peux nous donner un exemple. On fait une réception.
Un papa arrive habillé plus que nous tous. On lui donnera une bonne place. Mais remarque très bien. Quelques instants après, le président Fatih vient. Habillé le plus simplement possible. Il a tiré à l'eau la bâtonnion. Ma veste à tatane et côte à maille. Ah. Tu es d'accord avec moi? Amen. La différence vient de l'identité. Ton identité te défendra plus que ce que tes mains touchent. Frère, l'identité est supérieure à ce que le monde nous offre. Si tu ne bâtis pas ton identité de chrétien, tu seras confondu et toi-même ballotté à tout vent. Quand je préparais ce message, Jésus m'a dit, tu pourras parler de moi aussi. J'ai dit oui, mais je parlerai de la femme de perte de sang. Il dit pas seulement là-bas. Il regarde lorsque je meurs. Mes disciples veulent quoi? M'enterrer. Et on me couvre par des langes. C'était propre. Mais c'était un moyen de me donner l'identité d'un mort. Alors que pendant 3 ans je leur disais, moi je ne mourrai pas, mais je donnerai ma vie et je la reprendrai. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il regarde les jours de la résurrection. Lorsque j'étais ressuscité, pour monter, j'ai laissé. Parce que ce n'est pas ce qui me fera. J'ai dit à quelqu'un, c'est pas la Jeep qui te défendra. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas d'abord le français qui te défendra. Je rappelle à quelqu'un, ce n'est pas ta teinture qui te défendra, mais c'est d'abord l'identité chrétienne. Si Jésus est en toi, tu es plus que ce qui se sont embellis le teint. Si Jésus est en toi, tu es plus que ceux qui sont bien habillés. Parce que Jésus est supérieur aux apparences. Et c'est le pieux qui te rendra stable. Nous sommes arrivés à un moment où le diable ne veut plus faire autre chose à part pédicure, manicure, making, make-up. C'est ce que le diable fait maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Une femme très intelligente a mangé une grenade. Simplement parce que la publicité était puissante. Elle s'appelle la sœur Isha. Au jardin d'Éden, elle savait que l'arbre avait un fruit défendu. Mais elle a pris ça pourquoi? Parce que la publicité était puissante. Le diable ne touche pas le produit. Il travaille seulement la visibilité. Publicité. Qui accepterait de manger ce qui tue? Personne. Mais elle va accepter. Pourquoi? Publicité. Il a pris le fruit Photoshop. Il a fait un shooting professionnel du fruit. Et lorsqu'on a présenté le fruit, le fruit était tellement attirant, mais mortel. Make-up. Tu ne t'imposeras pas par les apparences. C'est ton identité qui est supérieure. C'est ton identité qui est puissante. C'est ton identité qui est importante. Frère, comment tu es arrivé ici? Sans habit comme ça. C'est là où j'ai compris une sagesse. Tout le monde peut accéder au trône. Mais le
trône ne supportera pas tout le monde. Car cet homme sans accoutrement était entré. Mais après, il a été expulsé. Ce soir, j'aimerais te dire, fais tout pour ne pas être expulsé. Toute dimension à laquelle tu accèdes, fais tout pour ne pas être expulsé. Or, la seule chose qui peut te maintenir quelque part, c'est ton identité. Le combat peut arriver, mais ton identité te défendra plus que quoi que ce soit. Nous avons négligé l'identité au profit des ressources. La voix ne change pas l'être. L'être est supérieur à la voix. Je dis à Moïse, quand tu as rencontré Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Quel a été son nom? Il a dit, son nom ce n'est pas un nom, c'est une phrase. Parce que ce que je ne comprends pas, comment Moïse était tellement intelligent, il demande le nom de quelqu'un, on lui donne une phrase au lieu du nom et il accepte. Et nous, on a compris. Bon, ça, là, il m'a dit, tu n'as pas de mais tu n'as pas de appelle ces phrases et l'obéli mobimba. Si on me demande comment tu t'appelles, que dirais-je? So, bah, il y a dit, tu n'as pas de mobimba. Va leur dire, c'est lui qui s'appelle Je suis. Ah, oui, la phrase. Est-ce que c'est un nom? Alors, il y a dit, tu n'as pas de lui aussi accepte. Il y avait Moïse, Andimi. Ah. Bon, ça, c'est Moïse. Voyons, Moïse. Mais quand je vérifie bien, même dans ce je suis là, Dieu n'a conjugué que le verbe être. Il n'a jamais parlé du verbe avoir. Et Jésus rajoutera, si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. L'être est supérieur à l'avoir. Ne négligeons pas de travailler notre être. Ce qu'on peut avoir peut être passager. Ça peut être circonstanciel. Mais ce que tu es, tu le demeures. Tu les demeures. J'aime quand Saül va chercher la magicienne. La magicienne lui dit, tu veux que je te remonte l'esprit de qui? Il dit, ramène-moi l'esprit de Samuel. La magicienne savait qu'elle allait invoquer un démon qui tromperait Saül. Et lorsqu'elle faisait ses incantations, Dieu dit, aujourd'hui je vais te confondre avec ta peau. Personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Maintenant, toi qui appelles Samuel, comment Samuel, lorsqu'il commence à monter, la famasse commence à trembler. Et Saül le dit, que vois-tu? J'aime la réponse. Je vois un Dieu qui monte sur la surface de la terre. Ça veut dire Samuel, plusieurs années mort, enterré, c'est fini. Et si là, mais c'est le corps qui était en décomposition, pas son être. Ce sont les eaux qui se sont asséchées, pas son être. Il n'avait plus des yeux, mais l'être était là. Il n'écoutait plus, mais l'être était là. Les cheveux l'avaient quitté, mais l'être était là. Bien aimé, l'être est important, car au jour de la résurrection, Dieu va relever nos êtres. C'est que fais tout pour que tu sois réellement un chrétien. Tu ne peux pas être stable avec une nature empruntée. Tu ne peux pas. J'ai prêché ce message, un frère n'était pas content. Oh.
Je dis la vérité, même si tu n'es pas content, tu ne feras pas long feu avec une identité empruntée. Je dis, tu ne me crois pas. Parions. Il a osé parier avec moi. J'ai dit rendez-vous 20 ans après. 20 ans après, il est venu me dire tu as raison. J'ai souffert pendant 20 ans. Parce que j'ai toujours été béni comme Esaou alors que je m'appelais. J'ai porté les habits de mon frère alors que ce n'était pas mes habits. J'ai dit à mon père, bénis-moi papa parce que je m'appelle Esaou alors que je suis Jacob. Et 20 ans après, 20 moi qui croyais être béni, j'ai fait 14 ans juste pour me marier. À ta journalier, Ango, salaire à 14 ans pour nous doter. Ah. Ah. 14 ans. Faisons un calcul simple. Hein? C'est de ça, entre parenthèses. Frère Wana, bah, offre $100. Na année, 1200. Na 10 ans, 12 000. On m'a dit que facilement, à combien de 13 000, 14 400. Ndego nanga dot à 14 400 là. Un homme béni. Mutapambola. Tout ça pourquoi? Pour nanin. Il s'est fait passer pour ce qu'il n'était pas. Yayaki lokola ayaki na lolenge wa salagite. C'est ainsi que 20 ans après l'ange va le rencontrer. Romain après 20 ans moi j'écoute naï. Il dira à l'ange bénis-moi. Albina moi j'ai pas moi. Ça montre qu'il n'était pas béni parce qu'on ne demande que ce qu'on manque. Et l'ange lui dit, moi, même après 20 ans, après 20 ans, soko kata classe na deuxième ozonga na deuxième bazongele na keso akimaka quel est ton nom. Ah. Alléluia. Heureusement, il s'est ressaisi. Yegoto amezo. Il a dit cette fois-ci. Abisiko. Je ne vais pas mentir. Je suis Jacob. Alors Dieu l'a béni. Tu veux être béni. Tu le seras par les dieux de la vérité. Tu veux aller très loin. Bâtis d'abord ton être. C'est ce qui est d'abord important. Le premier pieu qui amène la fête. Parce que j'ai vu une fête. Je pose la question. Quelle est la raison de cette fête? Raison de n'yanteke. On me dit, nous célébrons l'être. J'ai dit, comment ça? Il dit, cet enfant est allé avec ma richesse. Il a tout dépensé. Mais lorsqu'il est revenu, nous ne célébrons pas les dépenses. Nous ne célébrons pas les pertes. Mais nous célébrons l'être qui est revenu. Parce que quelles que soient les circonstances, un fils reste un fils. Un fils reste un fils. Allez dire à ce frère-là, s'il était vraiment fils de Jésus la porte, il ne serait pas parti. Il aurait supporté la suspension. Mais puisqu'il est parti, il témoigne qu'il n'est pas fils. Akima atali sigalaki mwana bisote akoki bambanote. Est-ce que je peux te dire une chose? Kamondade un sosie libasa moto akokani nayo peut te ressembler plus que ton propre fils. Mais son être sera très éloigné de toi que ton fils. Nous sommes les fils de Dieu. Développons l'être de Dieu. Développons la nature de Dieu. C'est ça les habits qui nous permettra de rester dans la fête. C'est ça la nature dont Dieu a besoin de nous. Et ce soir, plusieurs sont invités. Mais moi je te demande seulement, toi reste. Toi, reste. Toi fais quoi? Reste. Parce que si tu restes, ce que tu gagnes, c'est demain que je ferai le verbe et tu seras servi. Ah.
On acclame le Seigneur. Et mais tu seras servi. Toi fais quoi, reste d'abord. Et demain tu seras servi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? J'aimerais juste que nous puissions dire à Dieu: tu nous as acceptés dans ta présence. Réveille-nous de ta nature. Réveille-nous de ta justice. Réveille-nous de ton identité. Pour que nous puissions demeurer dans la fête que tu as préparée pour nous. Prions dans le nom de Jésus. Laisse-moi demeurer, Seigneur. Laisse-moi demeurer, Seigneur. Laisse-moi demeurer, Seigneur. Plusieurs vents peuvent surgir. Plusieurs vents peuvent surgir. Laisse-moi demeurer. Naumela e pene na yo ya 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 naumela naumela e pene na yo zala zala ya 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 naumela e pene na yo naumela ya ya natikala. Tu sais toi-même plusieurs choses qui t'empêchent de demeurer à ses pieds. Pour certains, c'est leur colère qui les empêche d'être réguliers et stables et permanents. Pour d'autres, c'est leur problème de difficultés financières. Laisse-moi dire à quelqu'un: plus tu seras stable, plus tu vas accélérer ta guérison et ta délivrance. J'aimerais que tu dises à Dieu: oh, je rejette tout ce qui m'empêche. En forme de colère, de difficultés, je soumets ma vie à tes pieds. Prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. J'aimerais rester encore. Haba kola na yo, ana kole mateo, konguma mela yo, posa o haba papa, haba. Bien aimé, Nalingi.